J'en pouffe le jeu. Hello tout le monde, ici Vincent Studio pour Dofus. On est toujours avec les mêmes. Il y a Jake, il y a Loulou, il y a Imajiro. Bonsoir. Coucou. Bonsoir. Voilà. Donc, ce soir. Oui, on va dire ce soir, il est 18h. Ce soir, on a prévu de commencer les quêtes d'alignement. Et on a choisi Bonta. Donc, nous y voilà. On est parti. On écoute Loulou parce que c'est notre guide. Je vais d'abord vous faire un échange, je vais vous donner toutes les ressources nécessaires. D'accord. Vous êtes où? J'étais à l'extérieur. Ah, de y'a qui pour proposer un échange. Je suis à l'intérieur. Avec un marqueur. Bien en évidence, je suis démarqué. moi, je suis démarqué. Fais-moi une pince. T'as des potions de Bonta? Ouais, c'est bon. T'as des potions de Bonta? Non, mais j'ai un zap, je m'en fous. Oh. Juste à mettre ma popo de rappel à... Oh, bordel. Ouais, des fleurs, des blobs, ça je les avais, mais... Ah non, j'avais pas la rouge. Ok, je vais... Ok, ça, c'est pas ensuite... Ah, Jake est là. Oui. Ils sont dans quête principale? Non, dans alignement, je crois. LOL. Validé. Valide. Et Thomas, il est... Non. Il est là. Pourquoi j'ai un poisson écrasé? Attends, c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai un uridnak? Cible-moi à Périrel. What? C'est What? Pas toi qui viens de me le donner. Non, ça ne dit rien, ça. Ce petit poisson aime tellement les gens qu'il s'y attache facilement, cependant, son rythme biologique est particulier, il n'est actif qu'au mois d'Apérirel, quand Silhouette réchauffe les eaux douces où ce poisson prospère. What? C'est un objet utilisable. J'ai envie de le faire. Parce que ça fait quoi? Donne les 10 épées. Eh ben ça fait rien. Mais attends si, il y a un truc qui charge sous ta tête. Attends. Ah bon? Il y a un truc qui charge. Ah, d'accord. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Ah. C'est bon. 3 combats restants, pichon d'Apirirel. What? On donne les épées? Je sais pas ce que ça fait. Oui, mais... faut parler à Mario. On n'a même pas tout lancé que... Ouais, on finit le jeu. Juste ça. Merci, j'ai pensé d'y poursuivre. J'entame. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est parti pour les quêtes avec Amagiro. Ah oui, enfin, il y a même plus de présentation. C'est tiens, je veux des épées. Ah, non, c'est ça. Ah, je comprends maintenant pourquoi il dit on donne les épées. il faut parler à Amagiro Gigé. Ouais. Et donc, bah oui, on va lui donner les 10 épées. Et vous lui reparlez ensuite. D'accord, on lui reparle. On a gagné 50 kama. Ça te dirait de me montrer ce que tu veux au combat? Oui. Il faut aller s'entraîner avec Tarch, qui est... Il est en haut à droite. Droite. Défier Tarch. Je défie Tarch. Ça va plusieurs ou pas? Non, c'est en solo. Ah, je sais pas si je vais y arriver. Ouais, il a 270 PV. C'est bon, il est mort. Je le touchote avec deux faux mon frère. Oh la vache. Et on repart parler à Amagiro. Ouais, votre alignement est désormais de 1. Waouh. Il n'y a plus les... Ah si, ça y est, ça apparaît parfois. Nouvelle quête, la destinée. Ah, il a une autre quête, acceptée. La tenancière Dame Cloud. La destinée, tu la mets de côté, c'est pour Frigost. Oh, mais j'aime Frigost. J'aime trop Frigost. Bon, on fait la tenancière Dame Cloud. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir Dame Cloud, il me semble. Très bien. Ça va, tu suis Guillaume? Ouais. Je viens de finir le premier combat. Tarche, okay. Donc il faut retourner voir Amagiro. Ouais. Et pas Imagiro. J'ai pas le jeu de mots du Amagiro par contre.
Moi, j'ai jamais réussi à prononcer son nom. C'est Amagiro, c'est pas très difficile. Tu sais bien dire Miyazaki, bah, c'est presque pareil. What? Miyazaki. Amagiro. Amehiro. Ah, peut-être Amehiro. Je sais pas. J'essaie de décomposer pour, pour voir s'il y a un truc potable, mais. Ça se trouve, il n'y a pas de truc à faire. Ouais, c'est faux, c'est juste son prénom, genre Amagiro, basta. Faut aller où après à en haut, je trouve ça joli. T'as lancé la tenancière Dame Claude? Ouais. Alors, il faut sortir de la milice. Viens en bas à gauche. Ah. Bon, vas-y, guide-le. Encore en bas à gauche. Ah, j'ai découvert. Le quartier des. Et là, tu vois, sur la droite, t'as une petite dragodane bleue sous un toit bleu. Ouais. Ça s'appelle un zappy. Clique dessus. En fait, c'est. Et en fait, tu peux te balader un peu partout dans la ville de Bonta. D'accord. Voilà. Moi, donc là, tu vas dans diverses. Et tu sélectionnes taverne de la Bagrut. Quoi ? Divers. Ah bon ? Mais oui, divers. Taverne de la tabasse. De la Bagrut. Bagrut. Oh putain, il faut donner des fougas, j'ai trop faim. Alors fougas. Ouais. Là, tu rentres dans la taverne. C'est le truc à l'étonneau. Oui. Et tu parles à Dame Claude. C'est bon, Thomas, il a fini. Je dois faire plein d'allers-retours. Quoi ? Je devrais faire plein d'allers-retours. Je crois que ça y est, il a gagné le jeu. Et mais je risque de prendre un niveau parce que moi je file pas l'XP à ma connerie. Ouais, pareil. Et Guillaume, une fois que t'as fini de lui parler, tu reprends le zappy et tu cliques sur milice. D'accord. Faire les dents de chauffeur et les apporter à Ned. Faut combattre des chauffeurs, alors. Oui. Ah, il va devoir nous attendre. Ah, il y a une quête bleue. T'as quelque part ? Non, lance pas la quête bleue, elle est nulle. On a prévu un donjon des chauffeurs ? Non. Je sais même pas si ça se drop dans le donjon. Non, c'est en dehors. Mais ça file tellement d'XP, c'est dingue. Bon ? Mais oui, genre 101 000 pour juste avoir amené du pain. Oui. Ah oui. Et 2000 gamas. Ouais, c'est vrai. C'est pour avoir amené des fougasses. Attends, mais faut pas s'équiper de l'arracheur dedans, c'était pas ça le truc. Ah non, il est pas. Non, c'est pas ça, ça doit être un objet de quête. Ouais, voilà. Damn. C'est bon, Jack, t'as lancé la quête Ned le dentiste. Ouais. Ok, bon, je vais vous TP au donjon chauffeur. Ah, mais faut vraiment faire le donjon ? Non, non, mais il y a des chauffeurs dans le cimetière, donc autant. Ah, ok. Ah. Il vous up. Oh. Ah, putain, mais ça m'énerve. Ah. Le meilleur bruit de porte du monde. Ça existe encore les panneaux de classe dans le jeu ? Oui, oui, oui. Mais c'est censé faire quoi, vu qu'avec tous les sorts qui ont changé, de trucs, de machin ? J'irai voir. Bah, les panneaux ont changé aussi. Hein. Ah ! Captain Starkey ? Quoi ? Il s'appelle Captain Starkey qui cherche des dragons d'Inde. Faut que j'arrête avec ça. T'avais plus comment ? Non, faut que j'arrête avec ça. Et quand elle est bien faite ? Avec mon cul dedans. Ok, merci pour moi. J'aime pas trop les galettes au cul. Ouh. Ouais, on va au donjon des squelettes. Et on sort ? Oui, sortez, oui. Par les escaliers. Alors. Oh, y'a de la menthe. Oh, y'a des. J'ai tellement farmé ma menthe et mes orchidées ici.
Donc il faut exactement 32 chauffeurs. 32 dents. Exactement. Si on en a 31 ou 33, ça, il faut tout recommencer. T'as déjà fait, je sais pas. Donc, ça plus, se drop sur les chauffeurs fantassins, les chauffeurs invisibles, les chauffeurs primitifs. Mais c'est pas ici, il y a des quan. Il y a des tofus maléfiques, des chauffeurs. Ah, il y a des chauffeurs. Mais... les chauffeurs fantassins. Chauffeurs drogres. Attends, mais on va en chier pour les trouver. Oui, il y a les ribs, il y a les quan, mais il n'y a pas de chauffeur ici. C'est pas le cimetière à côté de Bonta qu'il fallait faire. On peut faire les deux, soit ici, soit à Bonta. Mais parce qu'ici, il y a pas de monstre qui correspond. Ah si, là, j'ai rib, tofu maléfique courant. Il y en a peut-être quand même. Drogue. Ah, mais. Je crois qu'on s'est trompé. À Bonta ? Ouais. Mais ça tombe bien, on a des potions. Ah, attends, là, il y en a 4 là, si tu veux. Ah, il y a une chose 9, 17. Il y a 4 chauffeurs. En 9, 17. En 9, 17. La en 9, 0. Tout le monde est là ? On complète 17. Des objets de quête ? C'est un drop automatique ? Oui. 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 Non, ça n'agresse pas. Collant. Oh non. T'es pas obligé de le faire si c'est un drop automatique. Je vais vérifier dans mon encyclopédie. Alors, c'est à voir pour mieux, c'est les dents que j'ai à faire. Obtention de base 100%. Oui, c'est le drop automatique. Ouais. Est-ce que ça y est aussi sur les coins ? Non. Non. Et sur les ribs ? Non. Il n'y a que sur les chauffeurs. Chauffeurs invisibles. Ou chauffeurs fantassins. Ou chauffeurs. Ah non. Que fantassin invisible ou normal ? Même pas les dogres. Ouais. Il y a les primitifs aussi. Ouais. Oh, fais chier. Ah, ah là. Ah, le jardinier. Ça faisait longtemps, la petite carotte, là. Miaou. Miaou. Putain, je lag. Ah bon ? Ouais. Ça lag, ouais. Ah bon ? Je crois pas. Adieu. Oh. Putain. Oui, je fais des dommages. Il est invisible, c'est ça ? Oui. Ouais. C'est un chauffeur invisible qui est invisible. Non, il est camouflé. Déjà qu'il était pas très visible. Oui, il sort invisible. Ouf, bah tu l'as touché. Refais-le. Bon, bah il doit être en diagonale de lui. Genre, il doit être. Derrière lui ? Là, non ? Ah, je pense qu'il est là. Je l'ai dit là aussi. Ah ouais. Point. De mettre. Dora. Ça a pas de sort de zone à hein, The Valor. Ouais, ça, c'est fait. Il a géré. L'animation. Ah, mais il a géré. Quelle animation ? Animation de fin de combat, genre. C'est. Yeah. T'as même pas commencé à lancer le sort, j'ai eu le tableau qui s'est affiché. Ouais, c'est ça. C'est vite. On cherche des chauffeurs. On cherche des chauffeurs. Les chauffeurs. Ouais, je pense qu'on va aller à Bonta. Hein. Ouais. Ah là, j'ai 3 chauffeurs. Où on fait le donjon ? Mais dans le donjon, il y a beaucoup de drogue en fait.
Ah. Oh là, viens, viens là, viens là. 9-16. 9. Il y a 4. 16. Et voilà, là je suis en petite. Je suis en mini. Je comprends pas pourquoi. Moi aussi. Alors qu'on est que 4 sur la map. Vous voulez faire celui-là ? On est tous là ? C'est bon, allez. Je te suis. Donc ça va nous en donner 4 si je dis pas de bêtises. Regarde, on monte. Non. Oh, ni piote ni soumise. Fais-toi plaisir. T'as vu ça? C'était le tour de la nullité. Ça. Ça. Et c'est tout? Je crois que c'est tout. La 40. Combien le châle? 65? Ça fait pas Attends. Tant d'XP, ils sont niveau 30-40 les monstres. Le tofu maléfique, faut le tuer? Oui. Tous. Après, à toi si tu veux. De voir si tu veux faire le châle ou pas. Bah. Tu me le dis si tu veux le faire ou pas. Enfin, me le dire vite parce qu'il crée une lair. Genre comme ça là. Splat! Nettoie. Tu fais pas de talonnade. Oula! Qu'est-ce qu'il y a? Refais-le. Je peux pas. Ah, tu fais l'autre aussi. Ouais. Mmh. Ils craignent l'air? Non, la terre. Les chasseurs, ils craignent la terre et les. Les tofus, ils craignent l'air. Ce qui est quand même bizarre, soyons honnêtes. J'ai un tofu qui craint l'air. On tarde d'avoir mon prochain niveau, j'aurai mon nouveau sort R. Et là, je risque de faire bien mal. Tu fais déjà bien mal, hein? Non, mais. Tu fais déjà bien mal. Je vais prendre un niveau dans 130 000 XP. Waouh. Châle ou pas? Comme vous voulez. Ah bah, il est facile, hein, plus, hein. Petit à petit. On peut essayer, il est facile, hein. Allez, on fait le châle, alors. Yes. Yes. Ouais, parce que t'as rien à faire, ou quoi? Sans force. Ligne de vue zéro, bonjour. Putain. Pourquoi il dit pas allié, virgule, ennemi, sans force? Je sais pas. Si je m'avance, je le touche pas, non. Et si je me mets là? Non. Putain. Bon bah tant pis. Wow. J'ai vraiment du mal avec la ligne de vue en ce moment. Genre comment ça passe? Foudroirement. Oh. Non, c'est un tour sur deux, faut voir. Oh. On la sent bien. Il est où le chauffeur? Invisible. Il est pas loin de Guillaume. Ouais, voilà, il est là. Eu. Ouais. Ah. C'est ouf. Il y a eu un petit bug, ouais, le temps qui. Ouais, ouais, le temps qui crève. Oula, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Il est encore dans la timeline. Non, c'est pas grave. Il reste pas un peu de vie. Mais non, il est mort. Hey non, non. Et on bouge. Oh
là là, les dames. Pourquoi je peux faire appui à côté, donc. Ne fais pas appui. Ah, c'est à moi. Tac, oui, c'est à toi. Oh putain. Il te manque un PM. C'est quoi ça? Non. Ne pas marcher sur cette case. Alors, est-ce que je le tue ou pas? Mazout, ne pas se rejeter dedans. Normalement, je le tue pas. C'est bon. Peut-être le refaire, non? Normalement, je le tue pas. Je peux pas faire deux fois le cac. Ah, ok. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais... C'est pas grave. T'as le fort, cet arc. Il est bien. On l'aime beaucoup. T'as qu'une flèche. J'ai gagné 71 000. Il a combien de PA, ton cac? 4. Donc je pourrais le faire deux fois. Non, c'est 4, c'est une utilisation partout. Ouais, mais c'est nul. 3 PA, c'est 2 utilisations partout. Mais c'est complètement con. Bon, soit. Allez, on cherche des chats fer, vite fait. Mais on a fait un quart déjà. Ouais. Il y a un œuf de poac. Mais oui, mais je sais pas ce qu'on doit faire avec eux. Ah, ils veulent. Ah, c'est bon, oui. Trop tard, il a lancé le combat. Oh. J'ai que deux chats à faire. Là. C'est un peu bidon. Et mais dans les cryptes, il y a des chats à faire ou il y a que des vampires? Il y a que des vampires. Ah, j'en ai 4 là. Ah, vas-y. Là. 12-17. 12-17, c'est parti. 12-17. Je suis à le bout. Je suis en 12-16, c'est pas bon. Si, presque, il faut descendre. Putain, je peux pas aller à droite. Oh. Bah. Non. Attends, mais c'est oh, putain. 17. Vas-y, c'est bon, lance. Eric, il est pas là. Allez-y, je suis là. Ah, mais on peut l'attendre, c'est bon, il arrive. Oula, il y a du gros roux là. Oh putain. J'aime les maps comme ça. Il y a du peuple. Peuple. Il y a du peuple. On attend. Il c'est est bon, là. On est là. Oui. Ok. Je suis si invisible que ça. Il faut se méfier de l'animal. Non mais. De l'animal. Justement, en fait, je voyais pas Jake. Oui. Le rib. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un inspecteur des impôts caché. 44. Non, 38, ils l'ont appelé Rib parce que 34. C'est une côte en anglais. Mais oui, je sais, mais c'était pour c'est comme place. Le Quan. Le Quan, c'est un crâne, mais en version raciste. Bah, c'est vrai. Il y a pas d'autre. Putain, faut buter l'autre là-haut. Oh, mais c'est quoi ce challenge pourri? Il est allé de combien ta monture, Guillaume? Thomas, va taper le drogue là-haut. Appuie sur D et tu le sauras. 71. Ah, presque. Presque quoi? Ben, presque 100. 100. Ouais, dans 29 niveaux quand même. Ouais, ça va vite, crois-moi. Thomas est niveau combien là-dessus? 98. 100. Ah, ça 100 y est. 100. Mais évite de lui donner 90% alors. Du coup, ça ne lui donne plus 90. Il est à 0, hein. Okay. Très bien. Ah, parce qu'il faut pas la monter 100? Si, si, justement. Mais quand elle est niveau 100, bah, tu enlèves toute l'XP que tu lui donnes. Que tu lui donnes. Maintenant, tu lui donnes 90% enfin, de niveau. D'accord. Je vais pouvoir donner l'XP à la guilde. LOL. On le fait le châle ou pas là? Mm-hmm. Oui, on peut tenter. Tu peux les affaiblir. Hein. C'est lequel qu'il faut tuer en premier? Le drogue, tout celui qui est à côté de moi. Peut-être que je peux le tuer au prochain tour. Okay.
peur du coup critique pourri en fait. Ah voilà. On sait jamais. Ah oui, quand même. Cogne. C'est quoi ce Beans? Depuis quand il cogne si fort, les chauffeurs? Au cas où, si tu l'aurais pas remarqué, les pio aussi font son vénère. Non, c'est pas vrai. Moi, je les trouve ultra vénère, les pio. Tu le... C'est qui après? 38. Ok. 40. Oh non, il va pas le tuer. Ah si, bien joué, Thomas. Putain, mais quel homme. Ensuite, le prochain. Et le chauffeur à côté de lui. Et le chauffeur tout là-haut. Là maintenant, c'est quoi? Le chauffeur à côté d'Eric. Genre, celui-là. Pouf. Mais t'es taclé. Fais libé si tu veux bouger. Je sors avec des petits wifi là. Tu peux l'affaiblir. Tu vois, pas trop. Et là, je suis 179. Non, ça va. On a encore eu de la chance. Aïe. Mais ça fait mal. Ah, mais c'est le mien. Ouais. Ah bah. T'as une portée minimale ou... Ouais. Pour ton arc ? Deux minimales et ça va à 4. Ça va pas très très loin, hein, cela. C'est pas beaucoup. Ouais. C'est un semi-cac. Oh mais... tu prends cher, toi. Mais il me déteste. Mais hey, lui, là-bas, il fait aussi. Des gars. Ouais, en même temps, il fallait pas qu'il se mette tout seul, là. Ok. Bon, là, je peux le tuer. Bon, je vais passer mon tour. Ne le tue pas. Fais des flamiches sur le tofu maléfique. Mais je le tue avec flamiche. Mais non, tu déconnes. En critique, oui. Oui. Allô? Oui. J'ai le téléphone qui sonne, c'est ta mère. Oh merde. Bah, je lui ai envoyé un message tout à l'heure, je lui ai dit que je l'aimais très fort, il m'a dit on s'appelle demain. Je lui ai dit d'accord. Je laisse sonner, même ça m'embête. Ouais, je sais. Ouais. Après, tu peux décrocher et dire bonjour Brigitte, on stream sur internet. Je joue avec ton fils. Et pourquoi tu tapes pas le chauffeur, Thomas? Tu peux buter? Le chauffeur, ouais, là-haut, à 400 mètres. Ok, bah en fait, je voulais un peu sauver ma peau. J'ai fait l'IB, sauf que le Kwan, il est immobile. Il est en état indéplaçable? Bizarre. Je crois. Bah apparemment. C'est lui qu'il faut tuer? Non. Non, c'est celui tout là-haut. Celui tout là-haut qui a tous ses PV. Genre lui, là-bas, là. Mais pourquoi tu te la mets pas à côté pour te régénérer? D'accord. C'était une bonne explication, ouais. Oh merde. Je peux pas toucher un allié? Si. Hop. S1PM. J'aime bien pouvoir bouger, là. Mais oui, mais c'est parce que... C'était pour moi aussi me rapprocher. Parce que ça en donne un à toi, mais un à toi. Oh mon dieu, mais non. Pfff. Bah merde, je suis vénère. Purée, mais... Purée. Je suis bloqué. C'est vrai. Tu peux même pas le toucher derrière. Et je crois que j'ai un sort qui permet de le faire. Picade. Même le... Je sais pas si c'est Picada... T'as tué Guillaume. Si, c'est ça. J'ai tué Guillaume. T'es pas bon. Tu vois, c'est Picada. Je connais mieux ton perso que toi, c'est quoi ce bordel? Si je lui envoie un message à ta maman qu'on est en stream, elle comprend ou pas? Normalement. Okay. Normalement. Elle. C'est Paris, ça? Ouais, je crois. Il y avait écrit Argenteuil. C'est peut-être par rapport à ta boîte, non? Non. Allez, c'est bon. C'est bon, il est mort. Suivant. Eh ben, suivant. Le RIB. Ah non, le chauffeur fantassin.
Qui a tous ses PV aussi, non c'est ça. Pas grave, au moins il est accessible. J'aime tellement cette animation quand t'es en... en transformation de tofu et que tu fais un sort, il sort une espèce de fouet. Tu fais ch'tic. Je trouve ça très bien. Lui, il voulait taper la carotte parce qu'elle est laide. J'aime pas les légumes. Oh, c'est dommage. Oh, 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 oh. Flamiche. Alors maintenant, ensuite, le rib. Le coin, le rib. Comme ça, moi, Thomas, il va pas. Bah, je le tue, quoi. Oui. S'il te plaît, tu en serais bien. Quel homme. Aïe. Trois. Ah bah c'est dommage. Guillaume, est-ce que t'as un sort à longue portée ou pas? Genre langue grappeuse, un truc du genre. Ouais, j'ai langue grappeuse. Est-ce qu'il touche le coin là-haut? Il dit le coin, pas le con. C'est une case. Ouais. Ah, putain. Non, vraiment, langue grappeuse, c'est une case à côté de moi. Ah, ah. Ça doit pas être ce sort alors. Oh, merde. T'as pas un pile ou face ou un truc du genre? Qu'est-ce que tu fais? Dommage. Pas grave. Touché toi? Oui. T'as pas un tofu? C'est lequel maintenant? Le tofu. Ouf, alors lui. J'aime bien parce que t'as même plus besoin de tes invoques pour buter. Bah pour l'instant, oui. Mais je les ressortirai quand on fera des boss et tout ça parce que c'est un gain de DPS incroyable. Ah, je suis niveau 65. Oh, j'ai en vol. Je vais gifler tout le monde. Il y en a deux là-haut, non? Invisible et ouais, normal. Allez. Ah, Dofus ne répond pas. Oh non. Sérieux? C'est bon, y a pas, c'est pas comme s'il y avait une queue de. Alors déjà, tu vas te calmer. De pète une personne. Et de deux, tu te calmes. J'ai un nouveau sort. C'est bon. C'est youpi. Oh le mec. Mandragore. Attends, juste deux secondes, je réponds à Brigitte. Ben, rentre dans le combat. Ah, oui, je rentre dans le combat, pardon, oui. J'ai pas les yeux sur l'écran. Et valide. Et valide. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Clique sur prêt. C'était le bon temps. Tous les jeunes se demandaient si on avait MSN. Quoi? Ah mais ça coûte 5 PA, ah ouais d'accord. Faut terminer, faut tous les buter avant que Jake joue. C'est pas évident en vol. Hein. C'est faut ça fait setup. Quoi ben faut setup en fait. C'est je me TP sur une de mes invocations. Et toutes les cases autour vont prendre des dégâts et je gagne 3 PA pour chaque ennemi touché. Ah oui quand même. Wow. C'est très fort, mais faut vraiment vraiment le setup comme il faut quoi. Tu gagnes 3 PA pour le tour en cours? Oui. C'est je lance mon sort qui est de 1 à 4 de portée sans ligne de vie. Ouais, en vol c'est particulier. Mais ça peut être bien, je pense. En fait, c'est pas je pense, c'est je suis sûr. Et donc voilà, maintenant que j'ai en vol, oui, je vais rejouer beaucoup plus avec les... Guillaume, bouge, si tu nous entends. Oui. Fais tout tes PM. Et abat le chaffaire. Non, j'ai dit de l'abattre. Merci. Pas parler du sujet de discussion en stream. Non. Bouh, 3, putain. Que t'es bien. Eh oui, j'arrive.
non, je peux pas le faire sur lui. Ah merde! Ah non, attends. Le petit corbeau. Bon, on en a combien là? 14. 2. Il en manque 18. Là, il y en a 2. Un là. Là, il y en a qu'un. C'est toujours ça de prix, hein, si on le fait. Oui, certes. Trois. Ah, deux. Cinq. Trois. J'ai un endroit. 10-15. Donc je monte. Et que j'aille à gauche. Le côté. Je sais pas qui fait ça, mais je trouve ça très drôle. Il y a un petit bruit, c'est un monstre, ou je sais pas si c'est un corbeau, mais il fait comme ça. Ah bon? Je sais pas ce que c'est, mais c'est très drôle. Et tu joues avant moi, toi? Ouais, mais je peux mettre un bouclier quelque part sur quelqu'un. Ouais. Bouclier, lol. Non, ben propre. Vous voulez le faire? Allez, ciao! Alors, ça va être du gel hydroalcoolique, on sort de chez soi, sinon chez soi ça va être du savon, ça suffit. Une question. Si on fait un corps à corps, oui. Ça échoue le challenge? Non. Mais non. Il y a écrit achevé. Mais je veux dire, si on l'achève avec un corps à corps. Bah oui, ça fait échouer le challenge. Mais si c'est un arc? Et alors? C'est la flèche, c'est pas l'arc qui l'a. C'est pas tes mains, hein. Quel casse-noix. Hein. C'est un casse-noix. Touk. Et Green Touk. Touk. Bois la bois, bois la bois, bois la bois, bois la bois, bois. Cuit, cuit. Oui, oui, mon tofu est bien placé. Je veux tester en vol. Quitte à tuer le tofu maléfique. Putain, mais tu vas gagner 6 PA là? Là, oui, techniquement. Ouais. Je relis le sort. Ah non! Pas une limite? Non, non. Regagne jusqu'à 3 PA, 1 pour chaque ennemi touché. Ouais, faut pas abuser non plus. D'accord. Ah ben, je peux plus. Ou la roulette. Super. Roulette. Merci. On te protège. Putain. Là, je joue avant toi. C'est un gros troll. Oh mais non, mais le tofu il va... Merci. Je vais pouvoir faire un vol. Oh, je peux le buter lui? Mais si tu le butes, on fait pas le chal. Mais si tu fais un vol... Là je les tue pas, enfin je pense. Ah bon? Non, c'est bon, je les tue pas. Je peux le buter lui ou pas? Le si tofu maléfique. On va échouer le chal. Je vais pas pouvoir faire en vol. Ah, tu vas le tuer? Je non. Comprends rien. Voilà. Ah, d'accord. Putain. Qu'est-ce que tu comprends pas dans ce challenge, en fait? Oui, je comprends pas ce qu'il comprend pas non plus. C'est pas... Je sais pas, pour moi, c'est à distance. Mais non. Il est écrit. Mais je sais que c'est pas à distance, c'est indirectement, mais... Moi, j'en ai pas des trucs comme ça. Mais oui. On sait. On t'en veut pas. Essaye de faire le... Non, mais je peux pas, en fait. En fait, c'est passif. C'est pas ouf. Je suis déçu. Bah ça peut être bien, mais enfin... C'est trop dur à placer, en fait. Ouais, c'est un peu difficile. C'est achevé, hein, c'est ça? Oui.
Mais c'est pas grave, niveau 175, je peux le changer en gambade. Téléporte le lanceur symétriquement à la cible. Puis occasionne des dégâts air aux ennemis adjacents à la cellule d'arrivée. Non. Je comprends pas tout, wesh. Ma classe, c'est mathématicien. Mais c'est ça. Oh, joue Xelor, tu vas rigoler. Ah. Non. Déplumage. Pose une marque invisible au sol, déclenchée par la prochaine entité qui marche dessus. Si c'est un tofu du lanceur, occasionne des dommages air aux ennemis et confère une chance. La marque est dissipée. Attends, quoi? Faut absolument que ça soit une de mes invoques qui marche dessus. Déclenchée par la prochaine entité qui marche dessus. D'accord. Bibi. Et c'est quoi ça, croc répulsif? Occasion des dommages air aux ennemis, repousse la cible et avance d'une case. Ok, c'est chelou. Il y a des sorts, je les comprends pas. Putain. Qu'est-ce qu'on fait là? On va aller taper lui. Paf. Et repaf. Sont sur un bateau. Petit tofu. Il va taper. Oh bordel de merde. Il faut qu'il survive, petit tofu, non. Ah. Attends, je le mets parce qu'on voit pas grand chose. Voilà. Je sais pas si on y voit mieux avec le gros 3 au-dessus de. Monsieur. Jake, t'as oublié ce que je t'ai dit l'autre jour? Non. Mais il a tout perdu. Non, ouais, non. T'as déjà oublié ce que je t'ai expliqué, c'est avec le tac. J'avais pas vu que j'étais taclé. Et t'as les cases rouges normalement. Il y avait trop de monde sur la map. Ah mais là c'est là qu'il faut utiliser, il faut présenter le faible mode créature que nous avons là. Mais yes, je viens de voir à l'écran secondaire sur le retour, je viens de capter. Ouais. C'est pas grave. Oh quel dommage. Jage. Je peux le faire deux fois. C'est vraiment nul. Hey, mais tu peux. Distance, ça fait des dégâts, Thomas? Là, je peux pas l'utiliser. Là, tu peux faire libération, par exemple. Ouais, pousse-le sur moi. Ah, j'allais faire un chauffeur fou, après chacun sa technique. Ah, voilà. tu l'as tué, t'as pas fait échouer le châle, t'as eu? C'est magique. Il est pas tapé. Il le prend pour un con en plus, c'est génial. T'as vu Thomas, t'as une souris avec un clic droit et un clic gauche. Oh putain, je vais le tuer. Bon, terminons le tour. Fus. Fus. Ouais. On a de l'XP. Attends que ça. Oui, c'est pas ouf. Ah, c'est menu 0. Bon. En fait, tout à l'heure, je disais que j'avais lu un magnifique livre, un magnifique ouvrage qui s'appelle L'affaire Dreyfus. Pourquoi t'as lu ça? J'ai pas lu ça. Quoi? 3, non. 4, mais c'est pas. J'en ai 4 là. C'est ça. En 9-14. Eh ben, c'est bon. Ouais. En 9-15, il y en a 2. Monte, Thomas. C'est ce que me dit. J'oublie pas mes origines. Ok. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Par contre, j'ai vraiment du mal à le suivre. Je me Ils sont tous groupir là. Oh, ah, châle. Yes. Très bon châle, hein. En plus sur l'invisible quoi. Ouais. Il joue en dernier. Il va être. Salut. Bon, il est sérieux lui à cette là. Oui. Genre. Yes. Voilà.
Je sais pas si ça va t'aider, mais... Bah oui, je pense. C'est nul. Non, je vais faire ça. Bon, Jake, on attaque personne. Tu peux faire une cavotte. Non, mais il y a l'autre devant moi, là. Eh oui. Allô. Libération. Non, c'est pas libération. Fait... Non, pas libération. Pas le chaton non plus. Pas le chauffeur fou. Là, il y a une culotte. Parfait, darling, parfait. Parfait, darling. Oh, bordel. Oh, mais... invisible. Il est pénible. C'est pas grave, on a du bouclier. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il dit... Oui. Il est devant toi? Oui. Non. Ah non. À droite. Droite ou gauche? Ou à gauche? Droite. Et tant pis. Une chance sur deux. Ah putain, attends. Si je savais que les chats faire, ils étaient deux. Si je regarde la symétrie... Alors attends. Si je regarde la symétrie, Thomas, s'il te plaît, laisse-moi la ligne de vue et ne te mets pas là. Ok, c'est pas grave. Thomas, tu peux te mettre là et le taper aussi. Mais il peut pas, lui. Oui. T'as pas de ça si, je peux. C'est en ligne qui tape. Ah, voilà. On me fait trop rire, comment ça me donne des gouttes. T'as tous ces PM, quoi. Eh, hey, meurs toi là-bas. Voilà. GG. On peut tout taper. Ouais. On va tout casser. Tiens, toi là. On va écrire des gros mots sur les murs. Ouais. On va violer la vendeuse. Ouais. Gorger la vendeuse. Non, ils veulent la violer en vrai, mais il faut pas le dire. Parce que c'est Peggy 18. Peggy 12. Point, 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 point. Ouais, bah, je suis bien retrouvé, dis-moi. Tiens. Wouah. Tiens. Oh là là. Ouais. On joue pas au même jeu. Non, pas les mêmes valeurs, hein. 3 d'un coup. Eh toi. Oh, Romy 1249 suite dans le SM Studio. Merci. Ah. 1249. Ah, Romy. Ça fait beaucoup. Sachant qu'il y a 49, je crois savoir qui c'est. Ouais, ça y est. Je peux lancer mon sort ? Oui, non, mais là, tu fais ce que tu veux. Non, je demandais au jeu, en fait. Ah, ah bon ? Parce que maintenant, en plus, il parle à son écran, on a plus. Aïe, aïe. Mais il reste sur la carotte. Ah non. Non, non, il s'en va, tranquille. Bon, il reste qui? Ça sert s'il reste sur la carotte? Sur le gif? Mmh. Bah, ça le soigne. Oui, ça le soigne. T'avais pas autre chose à faire que de me voler mon kill, toi? Non. Ah, mais il devrait aller plus loin, lui. Mais quel enfoiré. Ah, où tu vois la vidéo encore, non.
Ah oh, putain, j'ai du pain. Bon, tant pis. Vas-y, Gégé. Vas-y, Jake. Attends, il est où? Il est où? Tout en bas. Tout en bas, tu le vois pas? Non. Non, il y a la timeline dessus. Ah, non, la timeline, elle est en haut, là. En plus. Ah, ok. Il résiste un petit peu à l'eau, je te l'ai dit. Ouais. Bah écoute, voilà. Merci pour ma ligne de vue. Mais non. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Mais je suis ni droit ni en diagonale. Ah, c'est bon. Voilà, il bouge en plus. Ah bah oui, bah, on a vraiment eu de la chance. Hein. Merci. Encore un petit peu. Merci. Et toi là-bas, paf. Ça fait très mal. Bon, il nous manque combien de dents là? Encore 11. 110 000. Oh bordel, mais. Et 100 simple. Hein. Encore plus. 14 000 pour Fiera. Pourquoi? Non, 6 000. 7 000 XP pour après. Je suis bugué. Il a réussi à part. Il y a deux chauffeurs là. Bon, on les garde encore. Ah. 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 J'en ai trois moi. Ah. En 10, 17, arrêtez avec ça. Je déteste ce générique. Quel? Ben, les racines et les ailes. Lequel? Ah! Oh. 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 Je trouve Il manque qui, là? Il manque Jake. Ça aurait été mieux avec les portes. Oh. On est en 17. Oh. Oh. Jake, tu viens? 17, mais j'y étais. Ah bon? Mais t'es où? Pas là. Mais où là? Non, attends. 10-17. Oui, 10-17. En dessous le temple roublard. Voilà. Ok, go. C'est où cette map? Ouais, bon, au moins ils sont pas loin, quoi. Vite, kickez-le! Oh purée, un par un quoi! Ouais, génial! Ils vont tous prendre cher. L'inspecteur des impôts en premier. Eh ben trop tard, il a dit trop le... tard. Ah. Il a tout fuir quoi. Tofu magnifique. Ha! Il est taclé. Ha! Bah, il va quand même assez loin. Je le poursuis ou... 1, 2, non, je l'aurais pas. C'est abandon, quoi. 1, 2, ah ben non. Mais pourquoi tu es devant? Casse-toi. Mais t'inquiète pas. Je vais souffler d'un chat agressif. Très agressif. Oh non, Guillaume, oh, il souffle, t'es là. Non. Va se mettre en plein par Guillaume, contre, s'il te plaît, la kawa. Mais non, tu t'as juste à faire un. Rajoute-toi un PM. Bah oui, rajoute-toi un PM. Oui, tu mets peux à te rajouter du un rib. PM et te coller à l'inspecteur des impôts. Ou invoquer toutes tes merdes. Belle fille. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Putain. Tu l'auras pas là. Attends. Non. Mais pourquoi le jeu? Me pousser? Tu fais libé? Ah ouais, je peux. Libération? Casse-toi, toi. Aïe. Meurs! Voilà. Bon, bah maintenant le rib. Maintenant, je sais pas où vous voulez. Bah, Louis, ça l'arrange pas. Ou un que tu peux. Tu... Prends le coin, Louis. Ouais. Critique? Non.
pas de critique. Non, toujours pas. Le jeu m'aime pas. Ah, ça. On prend lequel? On prend le, bah, le rib, comme ça vous pouvez jouer. C'est vrai. Vas-y Guillaume, mets tout ce que t'as sur le rib. Ouf. Et pas de critique. Eh, c'est dommage. Il a fallu que tu l'ouvres. Ouf, le tout tourne en critique là. Ah oui. Ben moi je vais faire canine. Non, je vais pas faire canine parce que je risque de pas le tout. Lequel? Le chafard à côté de toi? Vous voulez. Tu veux. Lui. Je l'y tacle donc. Mais il tape trop fort, ça marque, c'est incroyable. Il est trop malaise. On va se prendre. Prends le fantassin? Ouais. Le fantassin. Allez, donc. Ah, tu peux l'atteindre si tu fais un. Bon, je fais ah, ah, ben non. Ouh. On a les 2 PM, tu peux y aller. Oh, on a pris cher avec bon, ton tout pour rien. Il en reste qu'un, c'est ça. Ouais, oui, vas-y. On va aller le taper. Meurs. Un coup de cac. Oh là là. Il sait mieux jouer que nous. Non, mais c'est bien. Il y a de la grande, grande amélioration. C'est chouette. Non, mais c'est quoi ces écarts d'XP? Je sais pas. Ah. Qui c'est qui est venu dans le VOC? C'est moi qui viens d'arriver. Ah, nous sommes en direct, Romain. Ah oui. Plus. Donc désolé. Plus. Il leur manque combien? Il y en a 2. 8. Ça fait quand même beaucoup. Ouais. Bah, 2 groupes de 4 si on a de la chance. Là, j'en ai 3. Ah, bon, ben. En 11-15. En 12-15? 11-15, pardon. J'ai pas entendu. Ouais. Alors, attends. Ça, je sais que c'est à gauche, c'est sûr. Toujours les ordonnées ouais. qui sont les plus chiantes. Ah, j'y suis presque. Regarde, il y a un mort. Ouais. Regarde, il est nul. Pardon. Tu as droit de tousser, pas de soucis. Non, il faut pas tousser. Il a le virus. J'ai si. Même pas toussé dans mon coude en plus. Ah oh bah bravo. Ouais. Ah, Anachorette. Chouette. Non, Anachorette. Ne jamais. Jamais. Ne jamais se coller un allié, ne même pas à ta carotte, même pas à ta au grand même jamais. Pas à ton chat, ah oui, c'est vrai, pas à la carotte. Non. Voilà. Ok. Faut pas finir à côté d'un cercle rouge, voilà. C'est pas con, dit comme ça. Ne jamais finir à côté d'un cercle rouge. On dirait une énigme du premier Harry Potter. Flipando. D'accord. Bien, voilà. Ouais. C'est moi. Je sais pas. Il aime bien, écoutez.
J'ai mis le plus loin possible. Ah merde. Au revoir. Salut. Moi je suis quasi certain qu'il peut résister pendant un tour. Je vais le tenter. En fait, en vrai, j'ai un truc pour éviter qu'il meure, mais... Ah, mais ça consomme une charge invocatrice. Ouais, ben, peut-être pas. Putain, c'est compliqué, en fait. Tu le fais ou pas? Tu le fais ou pas? Attends, hein. Pourquoi? Mais fais ce que tu veux, hein. Pourquoi? Bah, tape le drogue. Mais non, parce que je peux lui mettre un bouclier, comme ça on est sûr qu'il meurt pas. Oh non, on va voir. T'inquiète. Mais histoire d'essayer. On va voir, t'inquiète. Non mais ça va, le con, il va pas lui enlever 99 quand même. Et là, t'attends. Le bordel, tu sais. Oh là là, quel homme. Le coin. Le prochain pas critique peut faire mal. Ça nécessite pas de ligne de vue, ton sort. Bah, sinon, c'est un peu compliqué de se TP dessus. Ouais. Mais oui, pas de... Ultra cheaté. Tu vas ramasser Thomas prochain. Attention, c'est l'envol. Salut. Attends, mais j'ai même touché le coin. Ah ouais, ça a jusqu'à 2 PO. What the fuck? Je comprends pas tout. C'est trop cheaté. TikTok. Et lui. C'est vraiment fort. Mais c'est pas écrit ça. Hein. C'est quoi? C'est vraiment Ford. Pardon, j'ai failli à mon pouvoir. Non, mais c'est pas écrit, sans déconner. Échange de place avec une info. Aïe, oh, je me suis fait mal. Je suis tombé de mon. Quoi? De mon. Merde, de mon repose-bras. Ah, je me suis fait mal. Donc, je disais, pour le sort. Merde, il en manque 5. Ouais. Merde, il est où ? En vol. Alors, il y a écrit. Échange de place avec une invocation du lanceur pour occasionner des dommages R aux ennemis. Regagne jusqu'à 3 PA et c'est tout. Mais en haut, t'as pas zone d'effet Alors, j'ai coup 5 PA, portée 1 à 4, mais ça c'est le... Oui. Voilà. Sort de classe ou sans modasse, nécessite pas de ligne de vue, cible nécessaire, limitation par tour de cible 1, utilisation par tour 2, est interdit pesanteur. C'est tout. Ok. C'est bizarre, hein. J'ai un groupe de 3, là. Alt, clic gauche. Non, c'est pas ça. Ok, où ça? En 10-15. Allez, on va en 10-15, on descend. Ah, tu descends. Tu descends? Pourquoi tu Ah merde, non, c'était de la scooter. Même Jay, moi, je suis ici du premier coup. Je crains. Allez, go. On a bientôt fini les chaffaires, on a passé une heure à faire des chaffaires, quoi. Putain. Incroyable. Et des combats. Ouais, il faut dire qu'on fait les châles aussi. Oui, bah, on essaie d'avoir un peu d'XP, c'est bien. Moi, j'aime bien. J'ai pas compris, que tu as dit? Moi, j'aime bien, au moins on fait des combats. C'est vrai, ça change. Pas du tout. On sort du donjon. Blup. Avec Stéphane et Yolo Village. On essaie de faire zombie. Allez. C'est le roleplay. Wow. Rush. Wapo. Appuie. CPA.
Merde, dommage. Putain, t'as 9 PA quand même avec ton Volcorn. Ouais. Ouais. Ça fait une plaise. Je t'avoue que deux fois Furia plus une fois Appui. Appui ça coûte que 1 ? Non. Oh. Ça fait 3, 3. Et Appui, 3. Ah, d'accord. J'avais pas compris. Non. Appui, 1 PA, putain, j'utiliserai plus souvent. Je pensais que Furia ça demandait 4 en fait. Avant, ouais. Ah oh. T'as utilisé un PM, truc ? Oui, ça a déjà marché, ouais. C'est fort le chaton parce que ça te met de la puissance. Ça permet de taper comme un dégénéré. Putain, mon prochain sort ! Diminue temporairement les PV du lanceur, applique un bouclier sur allié. Et ça m'enlève 80% de PV et ça donne 450% du niveau du bouclier. C'est un peu débile quand même. 450. Ah, oh, mais va pas trop loin toi. Ah ça va, je le touche encore. PM Thomas. 400 points de vie, je vais pas les enlever sur le touffu maléfique. Obstrue le chemin. Ah, c'est le chauffeur invisible. Quoi ? Mais n'oublie pas de mort. Mort ? Non. Non. Maintenant, oui. Ouais, désolé, je t'ai gâché ta ligne de vie. Non, non, mais de toute façon, je vais aller taper ceux là-haut. Oh, mais. Et qu'elle pète au noir. C'est pas grave, tape le K110. Ça te prendra à te mettre devant. Oh. Merde. Alors, Guigui... ouais. T'étais pas taclé. Hey, il était pas taclé. Donc c'est cool. Ils ont fait un pataquès. Pataquès, c'est tout pour moi. Zéro. Mais quoi, c'est les clés de la caisse, quoi. On est un peu plus de la moitié du stream. Qui veut une blague? Ah, pourquoi on t'entend plus? Parce que vous parliez en même temps, du coup je suis poli. D'accord. Alors la une ou la deux? Oh, qu'il y en a deux. Moi je vois la une. D'accord. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas beaucoup les plongeurs? Parce que sinon ils font glou glou. Pourquoi on n'entend pas beaucoup les plongeurs? Plongeurs. Ah, j'avais pas entendu les plongeurs. Non, je peux pas le toucher. Ah si. Parce qu'il parle le tuba. C'était pas la meilleure que t'es fait. Ah, c'est pas la meilleure que t'es faite. Plus que deux. Chez Caramba, ou quoi? Plus que deux. Plus que deux, ça fait. Ah ben là. C'est marrant, il y en a qui. Il y a même un 9 de poids qu'avec. Il y a un 9 de poids aussi. C'est bizarre. On le fait. Vous voulez le faire? Allez, on le fait. Ça fait quoi? Je sais pas, on attends, va le faire. Vrai, quoi. Allez. Oui, j'ai vérifié encore. On n'en fasse pas un de trop ou un de moins, c'est parce que ça. Là, ça va être l'enfer. Mais c'est quoi le délire du fait que si on en a trop, ça compte pas, en fait? Eh ben, il faut le nombre de dents qu'on et a dans le PNJ, il faut lui rendre exactement 32 dents. Et si tu lui en rends 33, ben il... Mais si... Il est... pardon, oui. Il est pas je content et il faut il te vire les 33 de ton inventaire et il faut recommencer. Mais si on en a 33 et qu'on en vire qu'une de l'inventaire... On mais peut tu pas les pas virer, pas. C'est des objets de quête. Hein. Les objets de quête, tu peux pas interagir avec. D'accord. On fait pas le chat, hein, il est chiant. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu chiant, ouais. Je veux tuer l'œuf de poix. Je sais pas ce qu'il fait, il a 250 points de vie, il est là-bas, il est rond. Enfin, il est ouvre. Il usé. LOL. À partir du quatrième tour, il usé. T'es sûr?
Il est où toi, l'œuf de Pâques? Je le vois il pas. Il est caché derrière les inspecteurs. Derrière les ribes. Ah, d'accord, ok. Derrière les inspecteurs. Aïe, aïe, aïe. Mais il est fou. Oh. Mais il est fou. Je l'envoie à l'abattoir. Ok, c'est super sympa pour lui. Allez. Pas très vegan. Ah, mais j'ai perdu tellement de portée, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le Kwan. C'est le Kwan, il a fait la paix. Tiens. Ah mince, mais je vais te bloquer. Bon, ben je vais pas faire ça alors. Mais je vais faire ça. Apprends le jardinage avec Guillou. Sans dentel. Il y en a un qui va être content. Attention, l'œuf. Ok. C'est pas passé grand chose. Il a juste fait un bruit, 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 bruit. Et c'est tout. Mais il fait vraiment mal? Mais je sais pas. C'est pas. Pas. La flûte, il y a un chafard invisible juste là. Oh. Ah. Bah tu peux le tuer, non? Non, il va aller taper les ribes. Oh, il y en a un deuxième juste là. Tiens. Tiens. Oh là là. On va passer en mode créature parce qu'on n'y voit pas grand chose. Foin. C'est pas ma faute, hein. Ah, mais j'ai pas dit que c'était ta faute, hein. Il y a un invisible, soit. Non, bah il est là alors. Elle a une sale gueule la roulette en miniature quand même. Ouais, les invoques en miniature elles sont vraiment moches avec leur petit œil nul là. Foin. Foin. Oh mais pousse-toi de là. Patel. Oh mais non. Bon, je te le laisse Guillaume. Deux. Je m'en vais. Je présume que tu peux pas faire. Je peux pas quoi? Ok, une invoque quelque part et le faire sur le même tour en vol. Alors, si je peux, parce que faire une invoque ça me prend que 2 PA. Mais il faut que. C'est j'ai une portée de 1 à 3 pour poser une invoque, donc faut vraiment que je sois au milieu du combat pour ça. Ouais, mais au moins tu fais vachement de dégâts quoi. Oui, c'est vrai que je peux en vrai. J'y ai pas pensé. Genre là, en fait, c'est parfait, je le fous derrière, je fais un vol et puis basta. Enfin, faites ce que vous avez à faire, évidemment. Chafer invisible. Je sais pas où il est le chafer invisible. Il est censé être mort. Et il est toujours dans la timeline. Oui. Bon, c'est pas grave. Paf, le Kwan. Ah, on voit pas sa vie non plus en bas. Non, mais il est mort en fait. Le chef invisible. Il a 0 sur 321, c'est ça. Bon, c'est pas grave. Oh. C'est... Ouais, mais. Je vais faire un peux plus rien faire. Je vais faire un test si je le mets là. En voule, ça fonctionne pas. Pourquoi? tu dois sûrement attendre un tour, je pense. Échange de place avec une invocation du lanceur. Ah non, je comprends pas pourquoi. Pas quelqu'un à côté? Bah non, je. Ouais, merci quoi. Non, mais t'es complètement con ou pas? Ah, peut-être que ça marche pas avec la forme. Ouais, mais c'est une invoque du lanceur, ça. Bon, ça aussi, mais... ouf. T'es trop purée. Le tout ou rien qui passe. Ouais, je sais pas pourquoi ça a pas fonctionné. On attaque bien l'œuf de Pâques, hein. Oui. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Un peu que lui. Mange-le. Gobelou. Goblaf. Et va nous hucer. Ouais, du coup, il tapote quand même. Hein. Il a fait embrouille de poac. Ça tape dans tous les éléments.
On a gagné. On va être transformé en œuf. Ça y est, 32. On n'a rien eu. Concernant point. Ah, ben là, il y en a plein déjà. Non, n'en faites plus, n'en faites plus. Putain. C'est bon, c'est fini ? Oui. Ah, on repart à bon tas. Et on pouvait lancer le combat et abandonner ? Non. Ça sert à rien. Et on va donner les dents. Tu vas à pied ? À Ned. Bah, je sais pas où il est donc. Taverne de la Tabasse. Ok. Quartier débouché. Ça va me faire l'exploration de Bonta. Allez, prochaine quête, tu es 72 tofu pour récolter 72 plumes. Ah mince, c'était pas. Oh, faut la rendre où ? À la taverne de la Tabasse. À la taverne, ok. De la Tabasse. Juste au-dessus, hein, pas la map de la taverne. Oui. Au-dessus de la taverne. Vendre. Vendre les dents, quoi. Ouais, c'est des objets de quête. Mais... À Ned Edsit. Je comprends pas. C'est Ned. Ned Edsit. Ah, Dentist. Juste au-dessus, Tani. Ouais, ça doit être dentiste. Ouais, c'est complètement dense. C'est parti. Mais il y a un H qui sert à rien. Allez, on retourne Ned, voir. Non. Attends, c'est bon, Jake ? C'est à Ned Destiti. Oui, c'est dentiste. Oui. Ned Destiti. Ah oui. Et on va prendre. Bagrut. À la salle principale. Tu retournes voir Amairo. Amairo. Putain, c'est pas difficile à dire. C'est dingue, ouais, qu'il y arrive pas. Et à la milice. À la milice, ouais. Et qu'est-ce qu'il va nous demander ? Aller vaincre Torche. Mais où à la Torche ? Taverne. Ah. Taverne. T'as la Bagrut. Le nord. T'as la Bagrut. Hmm. 320 PV. Ça va. Torche. Défier Torche. Devant le comptoir. J'ai vu. Merci. Je vais faire ça du coup. Tu t'en fous du châle. Non. Je veux de l'XP. Bien sûr, les Bontariens, les appuis, ils sont pas à 10 kama. Non, c'est fini ça. Oh. C'était mieux avant. Ça faisait longtemps. Tu en es où, Guillaume ? Je vais mettre une raclée à Torche. Ok. Allez voir Tavernier Feubuc. Il va trop vite. Beaucoup trop de tavernes, non ? De la vie, quand même. Ouais. Ah ouais ? Ah, moi, il m'a enlevé facile 350 points de vie. Ah ouais ? Ah oui, oui. Enlevé. Il a la tronche. Hein. Donc là, ouais, on revient à la milice. Oui, tu retournes à la milice. Oui. Bonjour, ouais, toute la vie. T'as dit qu'il fallait aller à Feubuc après ? Feubuc ! Oui. Ah oui, en effet. T'as le long couloir avec la monture qui se déplace comme ça, on dirait un... Comment ça s'appelle ? Un tapis roulant dans les aéroports, les grands aéroports. C'est pas faux. Ici dit le monsieur. Carte spéciale. Vaincre un Korbak égaré. Allez voir Tavernier Feubuc. Tu vas à la Taverne Feubuc. Attends un peu, Thomas. Il existe encore la quête du sanglier, là, qui ravage les champs ? Oui, oui. Oh, putain. Tu peux commencer à le chercher, si tu t'ennuies. Je vais faire un stream là-dessus, hein, je veux.
Je veux qu'on parle pendant 3 quarts d'heure. Il va falloir, hein. Mais là on est 4. C'est chouette. Non, l'autre jour en 5 minutes je l'avais trouvé, je crois. Je suis trop fort. Je te calme là. Cherchez le corbac. Il y en avait deux sur la même map. Il en est. Attends, il oui, en est. J'attends, ne t'inquiète pas. J'attends de revoir Guillaume passer. Il fallait juste lui parler, c'est tout ? Oui. Au tavernier ? Ouais. Oui. 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 Ah, et on pas besoin d'acheter la bière, je te l'ai déjà acheté. Ah, ok. Bon, bah, je retourne à la milice. Oh, je vais à côté du gentil monsieur. Le gentil monsieur. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo, quoi? Je suis le gentil monsieur. Oh putain. Dois dire génial, je suis encore tombé sur des débiles. Attends. Je vais aussi. Offre des fleurs au gentil monsieur. On offre tous des fleurs au gentil monsieur. Respecte pas sa zone de confort. Attends, mais y a pas mon personnage qui vient de. Si, il rougit. Tu l'as, les mots de fleurs. Oui, oui, il rougit, oui. Voilà. Ouais, c'est bon. On a tous donné une fleur au gentil monsieur. Bon, on va chercher le comeback. Vous savez où il est ? Non. Atelier des bijoutiers. Sur la map juste à gauche. Sur un atelier des bijoutiers. Il faut sortir de cette question. Tu prends le zappy et tu vas dans l'onglet atelier et bijoutiers. Et on va à gauche. Combat qui est garé. C'est un combat ? Oui. À faire seul ? Oui. Je sais pas. Ah non, on peut le faire à plusieurs. J'espère qu'il fallait pas lui parler. Pour activer un truc. Oui, il y a juste, je crois qu'il y a juste à vaincre. Donc. D'accord. Voler dans ses plumes. Ah, j'ai un truc qui s'appelle Plumeau. Voler dans ses plumes. Lol. Croac. Aïe. Mis devant toi, exprès. Ah ben bravo, on va pas faire le chat, et ben voilà. À vol d'oiseau. Mais on a rien. Parlez-lui, on sait jamais, non ? Non, c'est bon. Il fait croix. Bon. Quête validée. On retourne à Majiro. Allez, Majiro ? C'est ça. Imagiro ? Imario ? Imaginario ? Quoi ? Quoi ? C'est comme ça que les gens m'appellent. J'arrive pas à prononcer mon pseudo. Ah, c'est dur en plus. Hein. Autant c'est que comme Amahiro. Amahiro. Imaginario, on m'a sorti. Et Imario aussi. C'était marrant, Imario. Et Mario. Le combat a volé le collier de la fille. La fille, oula. Ouais, nous sommes tous occupés, ouais, bien sûr. Mais. Attends. Caverne Bagrut. Tu retournes à l'atelier des bijoutiers. D'accord. Caverne Bagrut. J'avais pas compris, moi. On va où ? On retourne taverne Bagrut. Les bijoutiers. Mais non, bah, arrête avec ta taverne. Fais chier avec ça. C'est quoi ? Ah oui. Pareil. Non. Donc on à va gauche. Dans l'atelier. Non, on va dans l'atelier là. Il est où, il est où ? Bah, ah, c'est juste ça. En dessous. Et on dit bonjour. Milkama ! Vas-y, mais je vais te ruiner moi. Eh, ma monture est niveau 95. Eh, ma baguette. Mon pâté.
C'est efficace dans un jeu où il y a la magie. Ouais. Et donc on retourne à Mario. Oui. Encore. Toujours. Toute ta vie. Putain, cet XP. Mais oui, c'est bien. Mais on va apporter les balles à l'ennemi. Ouais, plus que 13. Apporter les badges des miliciens fainéants à Mayro. Oh, bordel de merde. Bah, ils sont... C'est où, ça? Ils sont ici, mais... Où? Non, ils sont pas ici. Ils sont pas ici. C'est la fin et là. Il en est où, Jake? Je sais pas. Moi, je viens d'avoir une nouvelle quête, pas de fainéants pour les... dans les rangs, là. Eh, okay. On est au même endroit. On est tous donc, alors, tout le monde va à la taverne de la tabasse. Ok. Mais qu'est-ce qu'il a? Parce qu'on était tout, on était quatre à aller au même endroit, c'était marrant. Faut parler au greffier. Non, pas au... quoi? Aiguraf. Non, c'est pas lui. Bah, c'est Alain. Alain Tocard. Ah oui, pardon. Ensuite. Ensuite, faut aller à la taverne du pain chaud. Ils font chier avec leur taverne. Tiens, du pain chaud. En fait, dans bon temps. C'est ça. On va oh, du pain chaud, ça a l'air trop bon. Oh, j'ai faim. Oh non. Faut parler à Bill. Bill. C'est bon, Jack. Attends. Donc, c'est taverne du pain chaud, c'est ça? Pain chaud, ouais. La taverne de la tabasse, c'est bon? T'as parlé à Alain? Ouais. Pilier des bars. Elle est où la taverne? Derrière le zapi. Derrière le zapi. Enfin, c'est le seul bâtiment au milieu. Et ensuite, faut aller à la taverne du ferrailleur. Attends. Et putain, elles sont de plus en plus planquées, ces tavernes. T'es capote. Faut parler à tes capotes. Bah, elle est où? Ah là. Elles sont de plus en plus planquées. Je trouve pas, quoi. Et on retourne à la milice. Ouais. Apportez les badges à la mer. Aïe Mario. À chose, là. Aïe dans les portes. Ouais, de l'XP. Première visite à Brakmar. Oh non. Faut aller à Brakmar. Oh, faut y aller à pied, quoi. Je l'ai pas, le Zaborakmar. Je sais pas si... Tu vas à l'hôtel de vente des consommables et t'achètes une potion. Oh. Bon, d'accord. Ça coûte 1000 kama. Hein. Hôtel de vente des consommables. Brakmar, centre-ville. Acheté. T'as déjà le Zap, toi? Ça coûte... Oui, ça coûte 910 kama, le Zap. Donc, une potion, peut-être que c'est moins cher. Non, 1800. 1800. Ouais. Aucun élément. Non, c'est potion de cité, Brakmar. Directement. Bon, je vais juste mettre Brakmar parce que ça me saoule. Là. À 1800, ouais. Et, 1800, putain. Attendez, Guillaume a une question. C'est hôtel de vente de... des ressources. Consommables. Des consommables. Il est où celui-là? À hôtel de vente. Prends un zapi, hein. Tu prends le zapi vers hôtel de vente des consommables. Puis tu cliques sur l'hôtel en plein milieu. Dans ta barre de recherche, tu tapes Brakmar. B-R-A-K. Tu prends... Attends. Potion de cité Brakmar et tu l'achètes. Potion... Achète. Cité. Brakmar. Ouais, okay. T'en achètes une.
Une seule, ça suffit ? Oui. Ok. Tu quittes l'interface, tu vas dans tes objets consommables et tu double-cliques sur la potion de cité braque. Et on atterrit dans la deuxième ville qui... Tu diras, ah ben, vaut mieux qu'on ait pris les anges parce que c'est vraiment moche. Et n'oubliez pas de prendre le zap. Ouais, qui est juste au-dessus. Bah, c'est bon, c'est bon. Qui n'est pas au-dessus, putain. Voilà, la map, elle est là, le zap, il est... Ah, faut sortir en bas, faut sortir en bas. On est dans un bâtiment, là. Faut sortir en bas et on monte. Voilà, la ville des démons. Elle est moche. Bon, c'est pas pire que Fossoyeuse. Oui, bon, certes. Et maintenant, ben on monte. Hein. Non. Ah, le zap, c'est ça ? Ouais. Oh, il est stylé. D'accord. Merde, les quêtes. Mais on dirait, comment il s'appelle le... Passe-partout ? Non. Quoi ? Dans... Je sais pas, j'ai dit au hasard. Dans, hein, j'avais une... dans un Miyazaki, le petit... Le... Ah, Calcifer. Calcifer, merci. C'est une flamèche de feu, ça. Ah ! Et maintenant, tu montes de 1, 2, 3, 4 cases. Par rapport aux zaps ? Oui. Ok. Et d'une. Et de deux. Et du son. Et de deux. Pas eu beaucoup d'événements marquants sur ce stream. Non. Il est vrai. Trou. Faut parler au guerrier Branque. Ça lance un combat ou pas ? Non. Ok. Guerrier. Et ensuite, vous allez juste à gauche. Vous ne pouvez pas... Truc. Juste à gauche. Faut parler à Fulsura. C'est Sulfura. Quel grossier personnage. Vite, profitez qu'il soit occupé pour aller voir la porte. Calic. Et tu cliques sur l'engrenage à côté de la porte. Et on retourne voir Amaïr. Attends. Pourquoi il y avait... Vous ne pouvez pas examiner le système ? Ben parce qu'il fallait... Vous ne pouvez pas examiner tant que Branktouf te regarde. Sauf que comme il est dans la map à côté, maintenant tu peux. Mais il faut lui reparler. Non, il faut retourner à Maïro, là. C'est bon, on est tous là, retourner à Maïro ? Oui. Allô ? Oui. Oui, moi oui. Et oui. Ben, on retourne à Bonta. Hé hey, Thomas, j'ai une bonne nouvelle. Faut chercher le sanglier. Allez. Yes. Eh ben on va commencer à faire ça. À 20 minutes. Tu as pas utilisé une potion de bonté, Guillaume ? T'as pris le zap ? Ah oui, j'allais vers le zap moi du coup. Tu peux utiliser une potion, ça va plus vite. Si tu veux. Et bon, c'est parti. Comme tu veux. C'est un peu cher le zap. Ouais, mais il est stylé. Oui, mais il est stylé. C'est vrai. C'est où qu'il faut le chercher, ce connard de. Dans les champs. Genre dans les champs de Cagna ? Oui, les champs de Cagna. Il est dans les champs. Oh là là. Mais c'est grand. Ah ben oui. C'est grand. Grand. Et dommage, tu dois aller en bas pour remonter. Bien. Tu dois aller en bas pour remonter. Ouais, tu dois descendre d'une map pour remonter de l'autre côté parce que tu peux pas traverser la rivière. Qu'est-ce que j'ai pu le faire ce chemin pour aller faucher ? Ah, ok. Je crois. Je crois. Mais à partir du moment où t'as 3 personnes sur la map, je me transforme en. Ouais, c'est bizarre, hein. Créature. Donc il est vraiment dans la zone champ de Cagna. Oui, oui. Faut pas en sortir. Vaincre un sanglier agressif en un seul combat.
Oui, mais il est dans les champs de Cagnes. Hein. Là, il y en a deux. Où ça, deux? Il y a marqué sanglier agressif, niveau 40, 2. Mais t'es à quelle map? Bah, je suis dans les... Ah non! Bah, je suis dans les champs de Cagnes. Mais ouh, putain! 46. Ça a coupé. Moins 29, moins 46. Moins 29, moins 46. Ben voilà, il a déjà trouvé. C'est incroyable. Bah, enfin, je sais pas, c'est ça, joues... oui, ben c'est oui, ça. C'est ça. Faut que tu joues l'auto, dis donc. Il faut sortir de. Faut prendre un mini zappy. Faut... Oui, prends l'atelier de paysan, c'est plus rapide. Et après, tu vas tout le temps au sud. Moi, j'étais au champ de Cagna, quoi. Puis il est trop facile ce jeu. C'est putain. On va passer trois quarts d'heure à le chercher. Le mec il fait deux maps, ça y est. Mais c'est facile, y'en a un là. Y'en a deux. Quel moule. S'il faut, ça a été patché, y'en a toujours là. Il y en avait deux sur la même map. Non mais s'il faut, ça a été patché et ils sont toujours au même endroit maintenant. Non. Bon bah non. C'est juste qu'il a de la chance. De l'atelier des paysans. Non, va en moins 29, moins 46. Descends de 3-4 maps. J'y suis presque. Ouais, j'ai entendu qu'il allait monter. Mais moule, putain. Tu vois, si par exemple Draken il veut s'amuser, il prend le moment où Thomas il a fait « on va mettre trop de temps à le chercher !» Hey girl, hey girl. Il y a quelqu'un qui nous passe devant, tu rigoles. Oh non, moi je chiale là. Ah, il est là. Vite! C'est bon. Vite! Je sais pas, pour moi c'était. Ah non, c'est dans les. La plaine des porcasses qui a des sangliers comme ça. Non? Ouais. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut y aller dans la plaine des porcasses. C'est pour ça que ça m'a pas choqué d'en voir deux. Genre. Bah, il y a marqué sanglier agressif et du coup, ouais, bah c'est. Tellement de vie. Ah oui. Oui, tu l'as pas one shot? LOL. Attends, le truc a 1500 points de vie, quoi. Ça fait un peu beaucoup. Mais on peut faire premier. Bah, c'est celui du fond. Eh ben quoi, il va venir m'abandonner. À m'abandonner, il va venir. À m'abandonner. Non. Bouclier man, on va t'appeler. Oh le wow, sérieux. Oui, je suis sérieux, pourquoi? Merde, j'ai pas touché au bon endroit. Heureusement que j'ai bien pris. Ah oui, on sent bien le fruit. Mais pourquoi tu t'approches pas pour faire des dégâts normaux? Ouais, bon, bref. Ah. Il attaque à distance maintenant? Ouais, il va t'éclater la tronche. Merde, il me faut une ligne de vie. Alors. Déjà, bouge. Non, tape. Bah oui, vaut mieux qu'il tape là. Ah, quoique. Comment ça se fait qu'il faut. Mmh. 3, 4, 5.
Je savais pas qu'il avait 5 PM, Guillaume. Moi non plus. Pourquoi tu t'es... Moi non plus. Bon. Wow. Test. Nice. Là, ça a fonctionné, là. Ouais, je pouvais même le refaire, si je voulais. Ah ouais, purée. Mais je vais pas faire ça. Attends, je vais passer en mode créa parce que je vois pas grand chose sur cette map. Fais un zoom molette. Aïe. Aïe, il fait un peu mal. Mais qu'est-ce qu'il a? Il a regardé un mème. Voilà. Oui. Avec ses mèmes. Ah bah ben bravo. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai mis à côté exprès pour faire mon envol. Non. Toi t'as dit non. Le tofu, il faut qu'il s'en aille. Putain. Désolé. Quel enfoiré. Non, c'est pas grave. Je peux pas faire un truc genre... Ça... Je me suis trompé de masque. Et tu vas perdre tout. Ok. Je peux faire plus que là, ça. Je peux pas me déplacer, donc je suis taclé. Oui. Donc, c'est ça. Tu tapes le sanglier agressif devant toi, c'est pas grave. Tu peux taper ou faire libération. C'est ça. Mais oui, autant là, autant affaiblir celui-là aussi. Hein, c'est pas un drame, crois-moi. Oh ben, au revoir, Yves. Ça va les dégâts? Oh les dommages! Oh les dommages! Crapaud, 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 crapaud. Ah! Philippe! Ouais! Allez. McDopple. Brigitte Bardopple. Bien joué. On a gagné. Et on retourne voir. Ah, ma hero. Ouais. Chouette. Putain, cette expérience. Je veux pas faire les catalignements, c'est trop chiant. Oh, mais ben ça XP, c'est pas mal, ça, dit-on. Allez voir Plumalia. Après que tu aies rendu la quête, Guillaume, tu me diras à quel niveau est ton volcorn. De l'idée mineure. D. Comme déplacement, mon volcorn doré et indigo toujours stérile est à au niveau 76. Pas mal. Mais il est toujours stérile. Ça va pas changer, le pauvre. Non. Mais c'est pas grave, au moins je suis sûr, il y aura pas de gosse. Ah, attends, tu lui as donné les bâtons de boisaille? Oui. Bah, j'ai enchaîné jusqu'à ce qu'il me dise toujours la même chose. Ok. Allez, on va voir Plumalia. C'est où? Je sais pas. Atelier des mineurs. Atelier des mineurs. Taverne du ferrailleur. Mais... Ah. Toi, à chaque fois, il dit un truc à côté, quoi. Ouais, mais c'est nul à mais chier. Mais il dit à côté fait. Parce que le point... Parce que le point, il cache ce qu'il y a actuellement. C'est toi le point. Taverne du ferrailleur. Mm.
Elle est bourrée, quoi. J'allais. Allez voir le tavernier. Récupérer de la ferraille à partir de la bakélite. Putain. Mais c'est bon, on l'a, la bakélite. Ah ouais, oui, mais il va falloir un autre truc. Ah bon? Mais... Oh, faut vaincre la bourquette. Eh oui. Ah, c'est pour ça que tu voulais qu'on fasse ça, parce que la prochaine quête, c'était tuer la bourquette. C'est ça. Ah, bon, regarde, il est moins 10. Là, hein. On peut arrêter le live ici. Ah, mais hein. c'est, on va arrêter le live là, parce qu'on n'a pas le temps pour faire la bourquette. On peut faire le... Le Bakel Elite, là. Récupérer de la ferraille. Mais tu nous l'as acheté, la Bakel Elite. Bah attends, il n'y a pas un truc à faire? Bah, je crois pas. T'as une paire de fesses sur ton écran. Enfin, 5 paires de fesses, même. Attends, quoi? Quoi? J'ai pas une paire de fesses sur mon écran. Si, si, il y en a 5. Ah, ah les dragons fesses. Ah. Quel petit blagueur. Quel petit sacripant. Attends, parce que je comprends pas ce que tu me dis là. Récupérer. Venez, venez à l'atelier. Ok, on va à l'atelier. L'atelier des mineurs. Est-ce que j'ai pas dit qu'il fallait aller à l'atelier? Ah. Tu m'énerves. Pour aller à l'atelier des mineurs, prenez le zappy et allez à la taverne de Feubux, c'est juste à côté. Jake, viens en moins 27, moins 57. Attends, moins 27. En bas à gauche. En bas à gauche. Obtenir de la ferraille. C'est ça ? Faut cliquer sur viens l'atelier. Voilà. C'est quoi l'atelier ? Ferraille de bakélélite. On en a déjà. Mais. Et t'as du bakélite, mais t'as pas de ferraille de bakélite. Ah, c'est ça. Maintenant, tu vas sur l'atelier là-bas. Là où ils sont. Lyonnais. Là, ils sont. Juste à gauche, Guillaume. Tu cliques dessus. Non, clique sur l'atelier. Voilà. Il est dans la tour. Et tu fais la seule recette que tu peux faire. Combien? Un seul. Une seule. Voilà. Et tu peux quitter l'atelier et on va arrêter là. Je vois pas dans mon inventaire la ferraille. Elle est dans l'objet de quête. Dans les objets de quête. Regarde, elle est là. Petit objet de quête, ferraille. Bon, on va couper ici parce que la prochaine quête, c'est aller faire le donjon Work. Donc on va vous quitter pour le moment. On reprendra on ne sait pas quand, on n'a pas encore posé de date, mais vous inquiétez pas, vous serez notifié évidemment sur le Facebook comme d'hab. Peut-être qu'on fera le work, mais peut-être aussi qu'il... Enfin, je le tease comme ça au moins, c'est dit, mais on ne sait pas si on fait ou pas, qu'on fera aussi un peu de l'île de Pouac. Ça peut être rigolo. Donc voilà, on vous souhaite une bonne soirée, bon appétit vu l'heure, et puis à la prochaine. À plus.